Salut tout le monde, c'est Polo, bienvenue sur Pet Simulator 99. Alors ceci est un jeu que je voulais tester depuis longtemps parce que je vois toujours une tonne de joueurs là-dedans et je ne sais vraiment pas pourquoi. Pick two pets, je peux choisir deux pets. Je crois que je vais choisir ce petit bonhomme, il est tellement cute. Pick one more pet, je vais prendre le petit chien là, wouf wouf. C'est bien un chien, j'ai pris deux chiens. Ok, alright, donc what's new? Je sais même pas, update 5, j'ai même pas joué aux autres updates là, whatever. Featuring Rebirth, Nyaria, new pets, and new eggs, whatever, ok bro. Non, je suis dans Pet Simulator 99, alors, je peux acheter des œufs ici, je peux voir ça, il y a une tonne d'œufs que je peux débloquer. Holy what. Ah mais regardez ça les amis, il y a un autre bacon boy juste là. C'est un noob comme moi, parce que si vous regardez à droite, c'est écrit rank 1 noob. Et ouais, ça a l'air que je suis un noob, et... Wow, ok, je suis en train de progresser parce que je suis en train de prendre le cash, c'est ça. Donc, rewards, claim. Pour l'instant, je fais juste cliquer n'importe où, n'importe comment, je suis vraiment désolé. Alors, c'est qui hatch 3 eggs. Alors, je suis supposé prendre 3 œufs et puis les éclore, mais donnez-moi une seconde. C'est quoi cette affaire-là? Oh, je peux avoir une team de 4 pets avec moi, ils sont niveau 1. Est-ce qu'on peut faire des patins comme dans Pokémon? Aucune idée, on doit voir ça dans quelques instants. Holy what, est-ce que c'est moi ou bien ce gars-là c'est un pro? Regardez-moi tous les pets qu'il a avec lui. Moi je n'en ai que deux. Alors je dois acheter ceci je pense. Alors j'ai 25% d'obtenir les pets que je pouvais obtenir au début. Ok d'accord, donc eux. Would you like to buy a crack egg? Buy, j'espère que je fais la bonne chose. Click to open. J'ai pogné un 4. Ok, d'accord. Donc, ici, ça coûte 150. Oh my god. Attendez, est-ce que je peux pogner le bonhomme rose? Please? Pourquoi tu m'as donné un autre chat? Voyons donc. Alors, si j'en ai deux comme ça, est-ce que je les ai vraiment? Ok, ouais. C'est bon. Donc, attends. 9,92 billions existent? Il y en a une tonne dans ce jeu. What? Il y a presque 10 milliards de chats dans ce jeu. Really? Alright, le dernier œuf à acheter et je l'ai pogné, let's go. J'ai tous les pets qui sont là. Donc j'ai un reward ici, ton amigo claim. Alors speed potion 1 basic, temporarily increases player and pet speed by 25%, lasts for 15 minutes. Oh ok, donc on est plus rapide pendant 15 minutes. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Pogner 7.5k coins. Regardez à gauche, j'en ai juste 200 quelques. Vous n'êtes pas sérieux, ça va être long. Et unlock an area 0.1. Alors, pour unlock, il me faut 900 coins. Oh, ça va être long, les amis. Si ça continue comme ça, je vais devenir plus riche que Jeff Bezos. Mais, la quête a été complétée et... Oh, attendez une seconde. Est-ce que je peux capturer ce chat? Tape de coins. Ok, mais je peux pas taper le chat pour le pogner? On dirait que non. Donc, rewards. J'ai pogné ceci. Bag of diamonds. Je sais pas ce que je peux faire avec le diamant, mais vous savez quoi? Je vais pogner des nouveaux bonhommes juste là. Donc, je pogne un joli bunny ainsi que un joli chick. Et je peux avoir le petit chien. Je vous en supplie, je veux l'avoir. Moi, je m'en vais pas d'ici tant il y a aussi longtemps que je l'ai pas. Moi, j'ai tellement de cash et puis faire du cash dans ce jeu là, c'est beaucoup plus facile que ce que je pense, hein, man. Ouais, ok, yo, le bunny, j'ai 64% d'avoir, mais le chien, 6%. Ça va être très long, les amis. Mais oh, je l'ai eu, le petit almacien. C'est comme si j'ai pogné une carte rare lorsque j'ouvre des cartes Pokémon. Donc, donnez-moi une seconde, je peux aider mon team, on va le faire. On va prendre, je sais pas, moi, je vais prendre... Attendez, hold up. Comment? Ah, ok, ok, voilà, comme ça. Non, je vais prendre Bunny Boy, lui, et attendez, le dalmatien, 5? Bon, ok, non, c'est son niveau, je pense, ok. Bon, ben, ça sert à rien de prendre les bonhommes des niveaux 1, hein. Je vais prendre le chicken, là. Alors, ma team est nice, oui, non. Regardez ça, j'ai des jolis petits animaux cubiques, ils sont tellement cute. Mais bon, bye. Pour, il faut que je fasse ça comme ça, c'est ça? Yes? Wow! Alrighty boy! Donc, ici, je peux faire encore plus de cash, c'est ce que vous êtes en train de me dire. You've unlocked an egg. Ah, je vais faire ça plus tard là, mais pour l'instant, laissez-moi voir ici. Ouais, je peux taper des caisses de money. Je vois qu'est-ce qui se passe dans ce jeu. C'est quand même addictif. I like this. Hein? Quest complete? Qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai pogné 25 diamants, c'est ça? Yo, moi je voulais compléter la quête où je dois détruire 50 caisses comme ça là. Et puis là, attendez une seconde. On dirait que j'en détruis plus que ce que je pense. Hein? J'ai déjà rendu à 45? Mais j'avais rien détruit tout à l'heure, je comprends pas. Je sais pas qu'est-ce que mes petits chiens, chats, lapins et poussins sont en train d'être là, mais bon. Donc, ici, j'ai beaucoup de rewards et je dis pas non à ça. Donc, ça, c'est quoi? Speed 1. Increase player and pet speed by 25%. Ok, je sais pas si c'est permanent ou pas. Donc, ici, damage potion.
damage pour faire des dégâts. Temporarily increase damage of your pets by 15%. Ok, ça il faut boire la potion pour avoir ça. Increase the strength of your pets by 15%. On dirait que c'est permanent cette affaire là. Et ça c'est Bag of Diamonds. Alright, yo, yo, nouveaux items. Ils sont permanents, j'espérais. Et à gauche, téléport. You are already here. Ah, ok, parce que j'ai pas unlock the area. J'ai compris. Je suis juste au début du jeu et je me sens déjà ultra méga riche. C'est crazy. Donc, si nous allons ici, on a des potions juste là que je vais pas utiliser pour l'instant. Nous avons le enchant. Attends, bye? Ah, il faut utiliser des Robux pour avoir ça. Ok, mais j'ai quasiment plus rien comme Robux. Mais est-ce que... Oh, ok, d'accord, ça c'est nice. Alors là, rank 11, rank 3, rank 8, rank 5, blabla, par-ci, blabla, par-là, je débloque des trucs, j'ai compris qu'est-ce qui se passe, les badass. Donc ici, okay. Est-ce qu'on va avoir quelque chose de crazy? Monkey! Hey! Yo! Je vais le mettre dans mon équipe! Moi, je veux aller vers les poupées, vers l'ouest. Dalmatien? Attends, pourquoi je suis un dalmatien? Moi, je veux pas de dalmatien, bro! Yo, tout à l'heure, je le voulais, mais je veux plus. Moi, je veux lui et lui. Allez, let's do this. Ducky. Il est tellement cute. Allez, le type roquet. Il y a 5% de chance de l'avoir, là. Mais j'ai tellement de cash, je suis sûr que je vais l'avoir. Attends, sais-tu combien de cash, cette affaire-là? 250. J'ai 18K. C'est sûr, 100%, je vais l'avoir. Nous sommes dans un gros dilemme, les amis. Je pogne pas le bonhomme depuis tout à l'heure. J'ai clos des oeufs à longueur de journée. J'ai gaspillé mon cash, mais je pogne juste des monkeys, des duckies, des dalmatiens, bro. Alors, vous savez quoi? Je crois que je vais attendre. Parce que vous voyez, j'ai 4,6% de l'avoir, n'est-ce pas? Mais je crois que je peux l'avoir ici. Il se retrouve au milieu, n'est-ce pas? C'est la même silhouette, n'est-ce pas? Ben oui, c'est comme le dalmatien ici, je peux l'avoir à 38%. Et ici, il était à 6%. Pourquoi gaspiller mon temps pour l'avoir ici? Non. Alors, je vais edit ma team encore parce que là, j'ai des meilleurs bonhommes. Je peux juste prendre des monkey boys, hein? Oh! J'ai une armée de monkeys, c'est ça là! Je vais partir du mode edit et maintenant, on va aller ramasser de l'argent. Venez, mes petits singes! Ah, ben attendez une seconde, je peux déjà acheter ce area! Mais qu'est-ce qui se passe? Et, oh, move faster pour 30? Est-ce que c'est permanent cette affaire-là? Oh, ok, je crois que c'est permanent. Ok, thank you very much. Donc, on achète ça. Bon! Regardez-moi ces jolis petits cadeaux. You've unlocked an egg. Oh, wow. Free diamond! Give me the diamond, bro! Attendez, je peux même débloquer ceci. Est-ce que c'est bon ou bien on progresse rapido presto dans ce jeu? Plus 3 magnets. The hell is that, bro? Donc, j'ai unlocked des eggs encore et pets equipped. Use more pets? Oh! Je peux acheter plus de pets! Attends, increase the size of your pet team! Oh, c'est sûr! Yo, je vais utiliser des diamants comme ça à longueur de journée. Mais il m'en faut plus. Je suis sûr que je peux en avoir dans le futur. Alors, regardez ça! Je peux en avoir une tonne. Attends. Pets auto-equip? Would you still like to enable edit mode? Yes. Ok, je crois que j'ai fait la bonne chose comme ça, mais j'ai 6 animaux avec moi en ce moment. Oh, c'est magnifique! C'est quoi cette affaire de bonus? What the hell? J'ai aucune idée, les amis, mais moi, je suis juste content de l'avoir. Alors là, vous savez quoi? Tout ce que je peux faire, honnêtement, c'est rester ici, partir manger mon petit déj et des trucs comme ça. Et c'est bon, là, ils vont faire du cash pour moi, tranquille au relaxo. Oh, ok, j'ai compris c'est quoi ce genre de jeu pour vrai. Maintenant, je peux acheter le nouveau area juste là, je vais le faire. Plus j'avance, plus je fais de cash. Et ici, je peux dépenser des diamants pour avoir du diamant. Il y a un vlog à neg, plus 10% diamond drops. Ok, let's go. Donc, c'est quoi cette affaire-là? 5x surge active, classic hobby complete for reward? C'est quoi ces affaires-là? What the hell? Ouais, bon, en tout cas, ici, ça me donne beaucoup de cash, je pense. Hein? Regardez, à gauche, 18k et 20k. Waouh, ça monte tellement rapidement qu'après au début du jeu. Et puis cela fait seulement 20 minutes que je joue, man. Ça commence à prendre du temps pour péter les trucs, hein. Regardez ça, avant là on les pétait tellement rapidement. Mais maintenant, ouais, ça prend du temps. Je crois qu'on doit aller acheter des eggs, hein. Vous savez quoi? Teleport, je viens de voir que je peux le faire. C'est quoi cette affaire là? C'est trop génial. Alors, ouais, regardez ça. Honnêtement, pourquoi aller chercher les eggs qui sont là quand je peux passer direct ici? Mais ça me tente d'avoir tous les bonhommes qui sont là, mais on va commencer par ça. Let's go! Donc, 6k money? Really, bro? Oh, wow. J'ai pogné un bi. Nice, ou? Alors, je peux pogner un bi, je peux pogner un je sais pas quoi, et un autre bonhomme de je sais pas quoi. On va tenter de les avoir. Je crois que je vais juste avoir des bises à longueur de journée.
Turkey, nice. Alors là, regardez ici. Je suis sûr que je peux avoir un B. Ah, il n'y a pas de B ici. Really? OK, attendez. Attends, le petit bonhomme qui est là, est-ce qu'il va apparaître ici? Oh, ce sont toujours des nouveaux bonhommes. C'est juste que lui, il apparaît là comme par hasard, mais c'est pas toujours le cas à chaque fois qu'on change d'œuf, si vous voyez ce que je veux dire. Je croyais vraiment que l'animal le plus rare d'un œuf allait se retrouver dans le prochain œuf en étant l'animal le moins rare, mais c'est pas toujours le cas. Ok, alors là, je crois que je vais acheter ça. Comme ça, je peux avoir une team qui peut détruire les boîtes à longueur de journée super rapide au presto. Et puis, les autres pets, je vais les fournir plus tard. Mais vous savez quoi? J'ai déjà une bonne team de 6, je pense, hein. Regardez ça, si je fais ça, what? Je sais même pas qu'est-ce que je viens de faire pour être honnête avec vous. Mais je peux avoir 3 bonhommes comme ça, 3 bonhommes comme ça. Alors, je pourrais... J'arrête pas d'oublier de fermer le truc de je sais pas quoi là, mais bon. Je peux aller ici acheter ces œufs, mais c'est pas des bonhommes que je vais utiliser parce qu'ils sont plus faibles que les bonhommes qui sont déjà dans mon équipe, n'est-ce pas? Mais je veux avoir tous les pets. C'est pour ça que je fais ça. Donc, il me reste... Waouh, j'ai pogné un fox. Il me reste le petit chat ici, là, le petit voleur. À la place, j'ai pogné un lamb. Really, bro? Hey, j'ai plus de cash? You cannot afford that egg. Ah, well, tu gaspilles plus de cash, qu'est-ce que je passe, c'est beau. Oh, top, les amis, c'est quoi cette affaire-là? Shiny Relic Discovered, collect 1 sur 85. Oh, il y a des petits trucs cachés passés par là dans le monde. Et je peux voir ici, il y a un nouveau area que je peux pas accéder encore. Est-ce qu'il faut que je trouve un item secret? I don't know, brothers. Et là, oh, même chose pour le château de Peach. Ok, 3 diamonds, 23 minutes. Donc, chaque 30 minutes, je dois revenir ici, j'ai compris. Et là, j'ai pas assez de diamants pour acheter plus de pets. Qu'est-ce que j'ai... What the hell, bro? Je sais même plus ce que je suis en train d'acheter. En fait, je sais même plus ce que je suis en train de faire, ma bad. Des diamants! Nice! Alrighty, wait! What the hell? J'ai complété quelque chose. Donc, ça, c'est quoi? Queen's Potion! Temporarily increases coins you earn by 20%. Oh, ça, c'est bon. Mais c'est pas quelque chose que je vais utiliser maintenant. Je vais les garder pour plus tard. Oh, que oui, les brothers. Regardez ça, les amis. On pète le tout tellement rapidement comparé à tout à l'heure. Il faut toujours changer de pète à longueur de journée. Et ça se voit, man. Mais bon, vous savez ce que je veux faire. Allez là-dedans. Je sais pas ce qui m'attend. Mais qui ne tente rien à rien dans la vie. Ah, ok. Get to the end for a reward. Ok, je savais pas que j'allais jouer à Mario, les potons, et en plus, j'en fais un peu... un petit speedrun, je pense, hein? Regardez ça! Faut pas que je touche ça! D'accord, j'ai compris. Alors, vous êtes en train de me dire qu'aller à gauche est plus facile. Ce jeu est nice, I like this. Je suis arrivé à destination, les amis, c'était pas si long que ça, et je sais pas c'est quoi cette affaire-là, là, mais bon... Yeah! J'ai pris une tonne d'items! Ok, alright, thank you very much, mais... attendez, on va voir ça a l'air de quoi. Donc, les items ici. Basic coin jar, drop a coin jar in the area you're selling for reward. Wow! Ok, je sais pas si c'est des items rares, pour être honnête avec vous, mais... J'ai pogné une tonne de livres. Je crois que je vais prendre le Treasure Hunter 2 qui est juste là. Ça me permet d'avoir plus de chances d'avoir des drops lorsque je pète des trucs comme ça. Et je sais pas quel genre de job je peux avoir, mais peut-être que je vais avoir des potions, des CD, ça et puis... J'ai vraiment pogné beaucoup de trucs intéressants que je ne vais pas utiliser pour l'instant. Et là, vous avez vu, j'ai pogné une orange, oui. Alors, on va acheter le nouveau area juste là. Let's go! Regardez-moi ces jolis cadeaux. Amazing deal! Can we tempt you? Donc, 240 Robux pour acheter tout ça. Oh que non, pas pour l'instant. Moi, je suis juste au début du jeu, alors j'ai pas besoin de tout ça. Buy random potions? What? Les potions coûtent tellement cher, mais... C'est pas quelque chose que je vais utiliser pour l'instant, parce que je peux avancer super rapide après ça dans le jeu. C'est totalement inutile pour moi. Donc, move faster. Désolé, trompé de bouton. Plus 12,5% walk speed. Alors, il me faut 150K ici. Je l'ai fait en littéralement 10 secondes, cette affaire-là. Regardez ça, je suis déjà à 200K. Allez, on change d'endroit. Ta-da-ta-da. J'ai sûrement débloqué plusieurs œufs là, mais bon. Hein, quoi? J'ai pas débloqué? Ah, you open up an egg. Voilà. Donc, 400K ici. Il y a un area caché. Il faut sûrement que je trouve un item, si c'est à 100%. Mais ça, là... Oh my god, ça prend du temps à le détruire. Alors, j'ai 66K money. 69K, pardon. Voyons voir. 75K. Oh, ok, tu me donnes de l'argent au fur et à mesure que je le pète. C'est pas one shot à la fin ou quoi? Je crois que c'est quelque chose comme ça. Oh mon dieu, attendez, c'est quoi? J'ai déjà les 400K pour aller débloquer le nouveau area. Ça m'a juste pris comme 2 minutes de farming, hein? C'est pas long. Oh! 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 Donc, 1 million coin égale 1 bar.
Ah, ça coûte 1 million pour aller dans Arianeuf. Là, ça commence à dire au début, on progressait super rapide après ça, mais maintenant, non, ça prend un petit peu plus de temps, on dirait bien. Alors, je sais pas qu'est-ce qui se passe ici. Open more at once, egg machine. What the hell? Yo, tu veux pas venir dans mon équipe, mon frère? Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, open more egg at once, je sais pas si c'est une bonne idée d'acheter ça, mais je vais en acheter un. Ok, je sais pas. Pas ça sert à quoi? Ouais. Peut-être que lorsque j'achète des œufs dans ma base, ça me permet d'en acheter plus qu'un. Comme je peux en acheter deux à la fois. Je crois que c'est ça. Je vais pogner une tonne de diamants. J'ai complété une quête et regardez ceci. Tap damage. Plus 10% tap damage. J'aurais dû prendre ça depuis tout à l'heure parce que quand je clique sur la souris, ça fait plus de dégâts maintenant. Maintenant, vous savez quand ça prend du temps pour détruire le tout. Alors, on rentre à la maison! Oh wow, ça c'est rapide, oui, what the hell. Ok, ce gars-là, là, il est crazy, je pense, hein. Alors, on va débloquer des nouveaux œufs juste là. Ah. Voilà, perfecto. On va aller acheter des œufs qui sont là parce que ce sont des bonhommes plus puissants. Alors oui, je peux en acheter deux one shot. Ah, donc c'est beaucoup plus rapide comme ça. Hey, I like this, pour vrai, man. Attendez. Est-ce que c'est moi ou bien je prends juste des vaches, what the hell? Attendez, 91%! Oh, 5%, 3%, je comprends, man. Mais bon, avoir 6 vaches dans mon équipe, je dis pas non à ça, alors je peux pas avoir plus de bonhommes dans mon équipe. Attendez, non. Bon, attends, on enlève tous ces bonhommes, voilà. Et on prend une armée de vaches! Ah, 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 j'aurais dû l'aller à l'infini! Mais là, vous savez quoi? Ça me tente de pogner tous les pets qui sont là, et ça coûte pas cher. Alors, on y va! Bye two! En plus, c'est beaucoup plus rapide. Waouh! Ce mec-là, je le cherchais depuis tout à l'heure, et puis c'est juste maintenant que je l'ai. Hein? Est-ce qu'on pogne toujours la même chose? Attendez! Ok, non, 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 ok, ok, on ne paye pas toujours la même chose. Alors, le chat qui est là, je crois que je peux le retrouver là. 4,1%. Ok, je vais juste pogner les deux pets les plus faciles à pogner de cet œuf-là, là. Attendez, regardez ça. Voilà. Alors, peut-être le chat va se retrouver là. Non, il se retrouve pas là. Ah, ok, mais je vais pogner le bonhomme du petit voleur. Regardez ça. Le raccoon, nice. Lui, là. Ouh, est-ce que je tente de le pogner? Vous savez quoi? On va dépenser notre argent si je dois rester là pendant 10 ans. Ça ne me dérange pas, voyons donc. Tiger! Oh, c'est pas un petit chat! C'est un tiger! Oh, my bad! Alors, regardez ça. On a pogné tous les pets ici. Même chose là. Je n'ai rien manqué. Je suis un completionniste. J'aime ça avoir tous les trucs si possible. Là. Alors, on y va, les amis. Ce mec-là, là, Scarecrow Cat. Il se retrouvait ici. Pourquoi utiliser cet œuf à 4,75% quand il est là à 38%, hein? Donc, est-ce qu'on va pogner le piggy, évidemment? Alors, toi, tu vas te retrouver de l'autre côté? Ouais, tu te retrouves pas de l'autre côté. C'est vraiment dommage. Ok, bon, ben, on va utiliser ceci pour avoir Chicken et White Bunny. 0,125%. Ouais, je crois que je préfère aller ici. Ou peut-être même le prochain œuf, là. Oh my god, je l'ai même pas vu! What the hell? Alors, il fallait que j'achète ces jeux depuis le début. Ah ben oui, lui là, il se retrouvait dans l'œuf là-bas. Ok, attendez, je peux en acheter un au moins. Mais là, j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie. J'ai pogné un turtle. Faites attention les milliardaires du monde entier, j'arrive pour vous détrôner. Ah, 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 j'ai tellement de cash, bro. Donc, on va aller ici. Je vais dépenser un petit lingot d'or. Ah, c'est quasiment rien, là, c'est des peanuts, voyons donc. Alors, est-ce que je débloque des nouveaux eggs ici? Nice! Donc, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant? Enchant? By random enchant? Oh, ça coûte un petit peu cher. Puis moi, je suis très satisfait avec ce que j'ai en ce moment. Et là, qu'est-ce que j'ai pogné de nouveau ici? Oh, oh. What? Comment je monte de rank? Parce que là, je regarde en haut à droite. Là, je suis encore rank 1 après avoir fait tout ça. Oh my god! Et là, pour aller dans le prochain area, 2,5 millions. Oh yo, vous voulez me ruiner, petit jeu vidéo, hein? Hein? Comet, Starting and Misty Falls? Je sais même pas c'est quoi ça. What the hell? Ok, donc il y a 150 000 vies. Est-ce que j'ai bien vu 150 000 vies? Ok, attendez, regardez. J'utilise la technique d'un fou pour cliquer comme un fou. Ouais, mes doigts de boomer sont en train de se faire détruire, les amis. Mais bon, on détruit ça et nous avons... Nous sommes riches, regardez ça, on a 3 lingots d'or, one shot. Ben ok, j'avais déjà un lingot d'or là, mais même à ça...
Wouah! What's up? Gold pets? Ok, qu'est-ce qui se passe? Hein? Attends, golden pets avec pet? Alors, si je prends lui... Attends, qu'est-ce qui se passe? Hein? Oh, il devient golden! Et ensuite, il est plus fort, c'est ce que vous êtes en train de me dire, mais est-ce que c'est gratos? You craft a new gold pet. Ok, d'accord, mais... Alors là, lui... Attends, je comprends pas, c'est quoi ce 5? Attends, c'est quoi ce... Eh? Oh, il faut en donner beaucoup pour qu'il devienne gold! Ok, alors, regardez ça, j'en donne 10, j'en ai 18 en tout. Alors, il va m'en rester 8, c'est ce que vous êtes en train de me dire? Ah, ok, je le vois pas. Alors, on va regarder ici. Alors, c'était qui encore? Le Dalmatien, oui, il m'en reste 8, alors... Ça sert à ça! Plus on pogne des pets pareils, plus on peut faire de quoi avec eux en les rendant en or, peut-être même en diamant dans le futur. Oh! Ah ben regardez-moi ça, pour 400 diamants, je peux avoir ceci. Qui me donne encore plus de diamond job? Je dis pas non à ça. Donc reward, je crois que ça c'est le dernier, n'est-ce pas? Hoverboard, wake up to beginner! Oh, what the hell, on m'a donné des coins et diamond top power. Wow! Ok, on m'a donné beaucoup de choses et... Regardez-moi ça! Oh! Je peux bouger rapidement comme ça maintenant! Ça, c'est crazy! Alors, les rewards, j'ai terminé la section de rank 1. Là, je suis rendu à rank 2, c'est ça? J'ai compris ce qui se passe sur Amigo. Alors, j'ai pogné une tonne de potions ici. Des nouveaux enchants. Un hoverboard. Oh, I like this game. Et vous le savez déjà, les amis. On a débloqué des nouveaux œufs. Let's go! Yo, on dirait un dragon, ça, hein? Alors, ce bonhomme-là, il se retrouve ici, je pense. Nice! Et ce bonhomme-là se retrouve... Ici, yo, c'est quoi ça, point d'interrogation, Ben? Je vais pas acheter le bonheur avec point d'interrogation. Ben, l'œuf, où est-ce qu'il est là? Ah, ok, yo, je sais que je commence à dire n'importe quoi, je suis vraiment désolé. Mais bon, Firefly, thank you very much, yo. Alors là, est-ce que je peux avoir le dragon? Je vous en supplie. Évidemment que je peux pas l'avoir. Et là, j'ai gaspillé tout mon cash pour les avoir. Mais ce n'est pas grave parce que maintenant, je peux les mettre dans mon équipe. Alors, en gros, ce jeu-là, faut toujours que tu modifies ton équipe. Minigame Surge? Classic Obi gives 5 reward today. Je crois que je peux rejouer à ça, hein? Attendez. Donc, on va enlever tous ces bonhommes et mettre tout ça comme ça. Voilà, je peux péter tout rapidement. Et maintenant, j'utilise mon hoverboard et on va aller jouer au mini-jeu. Let's go! Ah, ben, attendez une seconde! Des diamants gratos juste là! Thank you, Vinny Macho! Alors là, peut-être que je devrais aller ici pour pogner plus de pets, hein? Ça va super bien. Alors, j'aurai une petite tortue avec moi. Et ensuite, on va aller jouer à ce mini-jeu parce que ça vient d'être actif, n'est-ce pas? Donc, gun digging yet. Ok, alright. Vous savez ce qu'on va faire? On va aller à droite cette fois-ci pour voir si c'est difficile. Ouais, je vais sauter par la fenêtre. Je me demande pourquoi je passe par ce chemin lorsque c'est plus difficile que l'autre chemin. Mais j'arrive à destination beaucoup plus rapidement. Alors, why not? Yeah! Hey, j'ai pris un item bleu, j'ai vu ça là. Oh, ça a l'air intéressant cette affaire là, oui. Donc, donnez-moi une seconde. Est-ce que je peux retourner là-dedans? Cours dans 15 minutes. Oh, j'ai compris. On peut avoir des items rainbow, on dirait. Wow, c'est addictif pour vrai ce jeu. Gift bag. Open for rewards. Ok, c'est où le gift bag? C'est ici? J'ai pogné des nouveaux enchants. Je vais aller regarder. Oh, j'ai comme vu Diamond 2. Ok, attendez. Potion, c'est pas là-dedans. C'est sûrement là. Voilà. Open. J'ai pogné 11K diamants. What? Attendez. Mais je suis riche. New items. Ce jeu te donne tellement d'items en peu de temps. C'est tellement génial. Vous savez ce que je vais faire? Acheter plus d'emplacements de fête ici. Yo. Je peux pas. Pourquoi vous me faites ça, guys? Je peux en avoir 10 au moins. Hey, c'est pas pire, hein? Donc, laissez-moi voir quelque chose. C'est quoi que je voulais faire? Ah oui, mettre plus de pets comme ça. J'ai une équipe crazy juste là. C'est rien comparé au début du jeu, n'est-ce pas? Alors, donnez-moi une seconde aussi. Ce que je voulais faire, c'est... Ah ouais, utiliser le hoverboard juste là. Ensuite, on va aller dans l'endroit où je peux rendre mes pets golden. Non, egg machine. Oh non, je sais pas. Ah, I don't know quoi faire, man. Ah oui, ce que je voulais faire, c'est aller ici, egg machine. Comme ça, je peux ouvrir plus d'or en même temps. J'ai tellement de diamants que je dis pas non à ça, hein. Et puis,
Wow, dans le futur, on peut pogner tellement d'eux. Est-ce que c'est ce que je suis en train de voir? What the hell? On va devenir super riche dans le futur ou quoi? By random and chance, you cannot afford this. Merci de dire que je suis trop pauvre, les amis. Oh! Pour revenir à la maison, il y a... Oh! On peut passer par là, d'accord, d'accord. Bon, les amis, le moment est venu de travailler super fort ici. Attaquez-les tous! Attaquez-les tous! Pokémon! Yo, les amis, le cash rentre tellement rapidement dans mes poches. Regardez ça! J'ai fait des millions et des millions en quelques secondes! Oh, wow! Alors là, je suis en train de me demander quelque chose. Devrais-je utiliser une potion qui me donne plus d'argent? Comme ça, ça me donne 60% plus d'argent pendant 30 minutes. C'est crazy, mais pour l'instant, on dirait que j'ai pas besoin. Et là, oh my god, j'ai des rewards par-ci par-là. Donc, plus de diamants. Lucky Egg Potion 1. Temporarily increase your egg luck by 25%. Ça là, je devrais l'utiliser lorsque j'achète des eggs. Mais je vais attendre dans le futur parce que on avance tellement rapidement dans le jeu. Et la reward, ça c'est quoi? Tap Power 1. I don't want this, bro. Donc ici, il me faut 15 millions de dollars. Je n'ai pas peur, les brothers. On travaille tellement rapidement et... C'est quoi ça? Minefield, complete for reward. Keep pets here and open eggs. Auto-farm, 175 Robux. Ah, vous savez, les trucs de auto-farm là, c'est pas pour moi. Moi, je préfère faire le tout manuellement. C'est beaucoup plus gratifiant. Watch your step. Ah, ok, c'est ce genre de jeu. Est-ce que je peux éviter ça? Ok, ok, ok! Ok, c'est bon, c'est bon. Moi qui croyais que je devais tout refaire au complet et retenir le chemin que j'ai pris. Mais on dirait que non. Et là... Oh! Vous ne mourrez pas, le petit matinet! Je vais aller à la fin! Ah, ah, ah! Et aussi, c'était rouge à la fin, là, j'aurais tellement pleuré. Donc, Lucky Egg Potion 3... Orange, et j'ai pogné un livre, je pense. Je suis pas sûr à 100%, on va regarder ça. J'ai pogné un enchant, mais je sais pas c'est lequel, prétend être avec vous. Ok, en tout cas, on continue à attaquer le tout. À moins que je vais acheter des nouveaux pets. Mais il me faut plus de cash au moins. On va farmer un peu. En fait, toi, vous savez quoi? On va débloquer le nouvel endroit dans quelques instants à la place de rentrer à la maison et d'acheter les pets parce que là, je peux aller ici. Pourquoi pas? C'était quand même rapide. Nice, few gifts have been permanently unlocked. Oh, wow, ok. Unlock free gift, unlock egg. Ok, d'accord, tranquille au relaxo. Est-ce qu'il y a des nouveaux trucs à aller chercher? On dirait que non. Donc ici pour 500 diamants, oh, c'est quasiment rien. Pet speed. Plus 5% pet speed. Quand tu dis pet speed, c'est pour détruire les trucs ou bien c'est pour bouger parce que... Même s'il bouge plus lentement que moi, c'est pas grave, hein? Oh, bon, les amis, je viens de remarquer que je peux aller dans le prochain area. Area 13. Allez, on y va. Ça m'a juste pris 3-4 minutes de farming, that's it. Oh, 80 millions! Tout à l'heure, c'est 35 millions! Alors, upgrade potion. Combine into better potion. Alors, en gros, je peux prendre des petites potions comme ça. Ah, il m'en faut plus! J'en ai pas assez! Aïe, 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 aïe! Attendez, donnez-moi une seconde. Je sais pas comment bien faire ça. Ah, ok, comme ça! D'accord, non. En fait, je peux avoir une meilleure potion ici, mais... Je crois que je vais garder ça pour l'instant. Je vais faire ça plus tard. Alors, là, je vais farmer encore un petit peu de cash. Ensuite, on va aller débloquer des nouveaux pets. Ça va être génial. Je crois que j'ai assez de cash, n'est-ce pas? Allez, on rentre à la maison. Et après, on peut débloquer un free gift. Ça va être super génial. Alors, je me sens un petit peu mal de ne pas avoir utilisé de potions ici qui me donnent plus de damage, qui me donnent plus de coins ici. Ça, mais vous savez... Pour apprécier ces potions, il faut souffrir, il faut suer pour savoir à quel point ces potions sont bonnes. Alors, dans un sens, c'est super bon ce que j'ai fait. En tout cas, free gift, j'ai envie de voir ça a l'air de quoi. Il y a tellement de gifts par-ci par-là. Really? Alors, qu'est-ce que j'ai pogné? Du cash? Wow, ok, arigato gozaimasu. Les développeurs de ce jeu veulent qu'on joue pendant 3 heures par jour pour avoir tous les gifts qui sont là. Oh, wow, ok. Mais j'avoue que c'est addictif, alors le temps passe rapidement quand on joue à ça. Donc, merci pour ces potions, merci pour ces diamonds, magnetic flag, thank you very much. Donc ici, ouh, ça coûte cher, 2 millions pour cette affaire-là, bro. Donc, buy 5. J'ai pogné les Griffin Pepper, let's go. Donc, je peux juste en acheter 2 ici. Ah, ils sont tellement cute, ces petits bonhommes, mais là, ah, ça gaspille beaucoup d'argent, ces affaires-là. Alors, je peux seulement enlever, attends, aider, je sais même pas pourquoi je fais yes ou non, pour être honnête avec vous. J'enlève ces 7 bonhommes-là pour prendre ces 7 bonhommes-là. C'est tout ce que je peux faire. Là, il faut que j'aille farmer du cash, mais vous savez quoi, les amis? Je crois qu'on va prendre une petite pause ici
Et on va continuer ça la prochaine fois, si vous le voulez, bien sûr. Alors, mes chers potos, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Ce jeu est beaucoup plus addictif que ce que je pensais. C'est totalement crazy. Je m'attendais pas à ça. C'est vrai que je fais juste cliquer sur de l'argent par-ci par-là, mais on progresse tellement rapidement dans le jeu. On découvre des nouveaux pets à longueur de journée. Et c'est ce que j'adore. C'est tellement génial, man. Et alors, si vous voulez que je joue à ça prochainement, dites-le-moi et puis on va le faire. Si vous voulez soutenir cette chaîne, vous pouvez laisser un petit pouce bleu qui pointe vers le ciel. Nous suivre sur les réseaux sociaux. Blabla. Dès que vous dites moi, tu en fais de ce poteau amigo. Et surtout, vous abonner à cette chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans la prochaine vidéo. Bye bye!